Bonjour à tous. Salut. Voilà. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment sur la chaîne qu'on n'a pas fait de vidéo carnassier. Il y a beaucoup de cartes qui est passé ces derniers temps. Et ben aujourd'hui il fait super beau. C'est juillet, pêche estivale. Ouais. Donc on est en compagnie de Rémi. Rémi, le programme. Bah écoute, on va essayer de pêcher un peu les brocs ce matin là déjà. Et puis ben suivant un peu comment que ça évolue, on basculera peut-être sur les perches de tout à l'heure, on verra, mais déjà priorité au brochet. Bon, la météo est pas trop mal, hein, c'est sympa, ils annoncent un peu de chaud cet après, mais là déjà pour ce matin on va déjà se concentrer sur la matinée et essayer de prendre quelques brocs. Voilà, impeccable. Donc lac de plaine, donc ça va être une pêche de d'herbier, de bordure. On va voir un peu et de tout, puis, je pense qu'on va avoir plusieurs, plusieurs situations, donc on va regarder ça. Ok. Bon bah écoute, c'est parti. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Avant. La température, je vais commencer avec un dur moi, avec un petit, petit jerk minnow, un jerk bite. Et puis toi tu vas commencer un peu au souple, enfin on va voir, on va tourner un peu, regarder, prendre un peu la température, voir où les poissons se positionnent un peu. On voit quand même beaucoup de blancs qui sautent dans les herbiers, donc on va pêcher ça en priorité, puis après au fur et à mesure on va voir, on va reculer. On va regarder un peu ça. Allez, quelques lancers, hein? Et le premier, bon, pas un gros, mais c'est le début, c'est déjà pas mal. Allez, on continue. Thank you.
petit poisson Ricky, toujours pareil, là on prend les poissons le long des. Alors là, on les prend le long des herbiers sur les tombants, là, c'est super sympa, on tient un peu les leurres, on pêche en 10 grammes, là, on pêche relativement léger. Et tous les poissons qu'on prend pour l'instant, là, alors déjà il y a une berge qui se détache de l'autre, hein, celle qui était plus au soleil ce matin, on voit clairement que les poissons sont quand même plus réceptifs. Et le fait de tenir au-dessus, un ras des herbes et de descendre comme ça, là, on prend toutes les touches comme ça, donc c'est super intéressant, des bonnes touches. Et puis des poissons qui sont pas énormes, mais ça fait toujours plaisir d'en prendre. Bien. Ouais, gros. Ça ne s'est pas fait dessus quelques fois. Voilà, on continue pour des gros, on se fait plaisir et des bonnes touches. Suivant. Et merci. Encore un petit. Les Ricky se font croquer. Entre pas mal d'orages là, on a été coupé là, il a fallu qu'on arrête, il y a eu quelques gros orages qui sont passés, donc du coup on a fait une bonne coupure et là on vient de reprendre puis ce premier poisson là qui est correct, on va dire, pour aujourd'hui. C'est sympa.
Bien, petite journée de pêche terminée. Ouais. Bon, on a passé une bonne journée. Ouais, avec deux, trois orages. Voilà, la pêche a été entrecoupée quand même quelques fois. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Pas de gros poissons. Non, pas de gros poissons. Après, on venait surtout pour prendre des touches. C'est ça. Ce qu'on s'était dit. Voilà, comme quoi, là, on est en plein été. Hein, la pêche a l'air d'être compliquée en général. Mais comme quoi, il y a toujours moyen de prendre des poissons, de prendre des brocs, des perches, tout ça. Donc, c'était le but en fait de cette vidéo aussi. Hein, c'était de prendre des poissons. C'est ça, voilà, on s'est bien fait plaisir. Prendre des touches, voilà. Surtout. Ça comme fait quoi, du bien. Voilà, comme quoi, même en plein été, ben, il y a possibilité de faire des jolies pêches. Voilà, on n'a pas froid, on est bien. Non, c'est agréable. Carrément. Donc voilà, donc si ces petites vidéos elles vous plaisent, comme d'habitude, pensez à vous abonner là, sur notre chaîne YouTube Instinct Pêche TV. Si vous avez des achats à faire, allez faire un petit tour sur notre site instinctpêche.fr. Voilà, normalement vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et puis comme d'habitude, hein, vous savez, hein, maintenant pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche.